et sur Belsavis, la prison de la République, repris par les impériaux. Lentement mais sûrement. Bien, comme on l'a demandé, il faut vaincre les forces de Seigneur Melikos. Alors on va y aller. Je n'irai pas sans mon fidèle Malavaï, qui sait prendre soin de sa maîtresse en toutes circonstances. Prêt à combattre, Malavaï? Eh ben, je suis prêt à combattre moi-même. Attention, Malavaï, il est renfort. Ils n'ont pas duré très longtemps. Moi qui te le dis. Pauvre imbécile. Faire le poids. Les pauvres. Trop facile tout ça. Ça sent le piège. Un piège mal monté, si c'est un piège. J'adore les étrangler. Ils sont pathétiques. Mmh.
J'aime bien comme ils esquivent. Pour tomber dessus ensuite. Où est Melikost? Je ne vois qu'un sous-fifre. Évidemment. Évidemment, si j'oublie que tu combats derrière, Malavaille, ça va pas le faire. Voyons ce qu'il nous veut, ce sous-fifre. Bravo 553, vous me recevez? Ici le centre de commandement, à vous. Bravo 553, vous me recevez? Vos hommes sont morts, lieutenant. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mes hommes et moi sommes ici en soutien du seigneur Melikost. Si vous les avez tués, vous aurez affaire à lui. Non, il aura affaire à moi. Dites-moi où se trouve Melikost et j'irai de moi-même me présenter à lui. Maudit jeu de Sith. Le seigneur Melikost s'est rendu dans le secteur de haute sécurité de Belsavis. Il cherche la salle des archives de la prison de la République. Il cherche à localiser un ancien membre du Conseil Noir. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Non ! Bah quoi, Malavaï, t'aimes pas? Bien. Allons donc retrouver ce petit seigneur Melikost. Allons, Malavaï, voyageons vers ce bunker. Charmante planète. Une espèce de paradis sur Terre. Qui bientôt ne sera plus que ruines et cendres. Jolie ligne droite. Avec une falaise impressionnante. Se défiler sans le traquenard à plein nez. Bon, j'avais tort. Un avant-poste impérial, enfin. Salutations, messieurs.